Et salut tout le monde. Allez-vous bien ou bien la famille, tout ça? Est-ce que la musique est pas trop forte? Normalement ça devrait être bon, je pense. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Je crois que... Ah, j'ai eu un message en plus tard. Quentin... Dépêche-toi, j'attends que tu démarres ton... Ah bah... Je suis là, je suis là. Faut juste que je termine de manger, j'ai une pizza à terminer. Du coup, je vais couper mon son pendant que je mange, parce que comme ça, vous aurez pas les bruits dégueulasses. Salut Quentin. Comment vas-tu depuis le temps? Comment va ta copine? Bah ça va très bien, écoute, merci. Ah bah super, t'es encore avec elle ou du coup t'es reparti à Paris? Oh putain, comment je vais me démerder pour manger ça, moi. Cette pizza est trop bonne, mais putain, elle est galère à bouffer. Alors, je sais pas comment je vais faire. Ouais, je vais le faire. Et Mathieu sera pas là aussi, je crois. Bah alors on va commencer par parler de... Ah bah salut Univers Otaku. On ne pensait pas que tu viendrais. Alors comment c'est le Japon? Étant donné qu'on sait que c'est déjà très bien, mais... Eh bah putain, au Japon il fait trop chaud.
C'est l'arme qu'il avait depuis quasiment le tout début. Donc pourquoi pas, moi ça me va, hein, si c'est un truc comme ça. Effectivement, dommage qu'on voit pas le Bankai Daizen, c'est clairement dommage, mais voilà, pourquoi pas. Au moins il a fait une belle démonstration sur la fin, enfin une belle. Une démonstration pas dégueulasse, malgré qu'il reste quand même. On reste sur notre fin, hein. C'est vrai que cette fin est un peu. Ça sent clairement qu'il speed malheureusement Kubo et. Ça se sent bon, je pense que la fin, malgré que du coup, apparemment, c'est bel et bien la semaine prochaine, j'espère que la fin va pas être bâclée, ou ça va s'arrêter, ou justement Ichigo va regarder en l'air, on va voir la Soul Society détruite et que ça va s'arrêter là. J'espère qu'on va vraiment voir la Society remis en marche avec. Avec. Shinsui, non, comment il s'appelle Kyoraku, qui sera à la tête, soigné, que tout le monde ira bien, etc. Parce qu'il y a tellement de questions sans réponse. C'est vrai qu'on n'a pas eu de flashback sur Yamamoto avec Drawback et tout. On n'a pas eu de vraie action entre les deux pères qui aurait pu venir, qui aurait pu faire un truc intéressant. Personnellement, est-ce qui s'est passé avec les deux pères de ce qu'on connaît maintenant? Est-ce qu'on avait prévu tout le monde que chacun des deux pères allait voir leur fils respectif et qu'ils allaient les aider? Je trouve que ça aurait été mieux que ça se passe comme ça, malgré que tout le monde s'y attendait à un truc comme ça. Je pense qu'une situation comme ça aurait été beaucoup plus cool que la situation qu'on a eue où juste vas-y débrouillez-vous avec ce que je vous donne quoi et puis cassez pas les couilles quoi putain. Vous êtes assez grand pour vous démerder merde. Non mais en vrai je trouve que ça manque un peu de. Il y avait clairement moyen avec même s'il reste pas beaucoup de scans, il y avait clairement moyen de rajouter au moins les deux pères qui arrivent pour aider. Comment dire, pour aider bah, tout simplement leur fils. Ça aurait été clairement cool de voir Ryuken à l'action avec pour aider Ishida et de voir Ishin aider Ichigo. Ça aurait été clairement classe. Voilà, je trouve que ça aurait été largement mieux. La fin sera comme la fin de Naruto, ça fera du n'importe quoi s'ils font les choses trop vite. Moi, je pense que clairement la fin de Naruto sera enfin, elle sera mieux que celle de Bleach. Clairement. Parce que Naruto était pas speedé. S'il a fait de la merde, c'est l'auteur lui-même. Je trouve que la fin se rattrape grâce à l'animé. Malgré que je trouve que, normalement, un manga ne peut pas, ne devrait pas, se devo à, ne, ne devrait pas avoir à se rattraper avec l'animé pour expliquer les trucs. Je trouve que si t'expliques pas certaines choses dans le manga, bah, c'est que. T'as fait de la merde, je trouve que c'est un peu dommage que du coup Kishimoto, enfin que justement l'anime, je crois que c'est le studio Pierrot qui fait Naruto. Je trouve que c'est dommage qu'il, c'est un peu comme, je crois que c'est le même studio que Bleach aussi d'ailleurs. Je trouve qu'il fait je trouve ça dommage qu'il doive se rattraper sur l'anime pour pouvoir expliquer des trucs comme d'où vient Kaguya et tout ça. Enfin, je trouve ça, c'est bien du coup qu'il le fasse comme ça, enfin qu'ils le font comme ça, mais. Je trouve que ça devrait être déjà dans le manga de base. Il devrait pas le rajouter que dans l'animé, il devrait être dans le manga de base. Après, peut-être que ça a été mis, mais il me semble que non. Mais clairement, les flashbacks qu'on a eu en ce moment en hors-série, qui durent depuis 20 ans maintenant, et qui, de ce que j'ai compris avec Darkoz, qui m'a dit que ça repartait encore pour une série de hors-série, c'est clairement. Ça c'est clairement dommage, mais par contre c'est vrai que c'est cool qu'ils aient fait un hors-série sur le flashback de Kaguya et même de Indra et de Ashura, je crois qu'ils s'appellent. Ouais c'est ça, c'est pas ça. Je trouve ça clairement cool qu'ils aient fait ça, mais ça aurait dû être dans le manga de base. Au moins un minimum expliqué, parce que c'est vrai que Kaguya elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ça arrive un peu comme une merde, mais. Mais voilà, donc par contre, le problème avec Bleach, c'est que là, il est pressé à cause de justement de son éditeur qui demande à ce qu'il speed. Après, c'est vrai que là, on avait pu avoir dans ce scan-là, par exemple, une belle démonstration de Kubo qui fait quand même nous revient un peu comme quoi, malgré qu'il soit speedé, il bâcle pas les choses, vous voyez, c'est genre.
Avec justement le flashback, enfin le du coup le, la prémonition qu'avait eu Iwash, qui avait été donnée par Ashvelt, et en fait il avait, enfin c'était en fait un truc du futur, malgré que tout le monde, enfin on avait tous vu que c'était un truc du futur, c'était assez clair. Mais du coup qu'on voit que c'était avec le Shikai qu'il a été, qui se fait trancher, et que là du coup on voit qu'il se fait trancher par le Shikai et tout, à part la tenue normale et la pièce où ça se passe et dans la situation où ça se passe. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que du coup je trouve que Kubo a bien joué sur ce coup-là, et que malgré qu'il soit speedé, je trouve qu'il il ne bâcle pas non plus énormément la fin. Il a quand même mis les choses en place pour faire une fin plus ou moins cohérente et plutôt cool, je trouve. Flashback qu'on a vu sur Kaguya et sur Rikudo et ses enfants. Oui, ça aurait dû être dans le manga. Bah, du coup, ça aurait été mieux. Masashi a pas pensé à faire ça, c'est dommage, il aurait dû prévoir l'avance. Bah oui, c'est ça, c'est. Après, je sais pas comment font les mangakas, je dis pas que voilà, les mangakas devraient faire ça ou ça, mais c'est vrai que je pense que Oda, par exemple, clairement il doit faire un truc comme ça, c'est qu'il a déjà tout prévu dans sa tête, et que du coup il le met en place au fur et à mesure, mais il a déjà tout prévu, il sait déjà comment ça se termine et tout ça, il sait déjà évidemment quand ça se termine, il sait déjà évidemment comment ça va se dérouler, etc. Alors, on voit clairement que Oda ne laisse rien au hasard, et que tout est, chaque détail est fait pour être remis plus tard dans le manga. Et quand je dis plus tard, c'est vraiment pratiquement sur la fin, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Et enfin, quand je dis la fin, c'est genre 100 ou 200 chapitres après, alors que là, le truc qu'on a vu avec Bleach, c'est 10 chapitres après, quoi qu'on l'a vu, enfin 20 chapitres grand max. Mais voilà. Alors que Kishimoto, c'est vrai que s'il n'avait pas prévu de faire ça, c'est vrai que je sais pas, il aurait dû prévoir. Après, je pense qu'il avait déjà prévu comment ça se terminerait son manga. Après, je connais pas trop comment s'est déroulée la fin de Naruto par rapport à Kishimoto et tout ça, mais enfin, je veux dire, s'il a été speedé comme Kubo ou quoi, mais je pense pas, parce que Naruto il marchait extrêmement bien. Enfin, c'est vraiment le manga qui marche le mieux avec One Piece à côté. Bleach qui est clairement laissé à côté, c'est dommage, mais bon. C'est comme ça, et la fin ne rajoute pas au fait que les gens lâchent Bleach et que les gens vont pas vouloir revenir sur Bleach quand on dit que, enfin surtout avec la pub qui se tape en ce moment en disant que tout le monde raconte que la fin va être bâclée parce que du coup le manga, enfin l'éditeur demande à ce que le manga soit speedé, ça va clairement pas faire de la pub à Bleach en disant venez voir Bleach, vous allez voir c'est cool, les gens vont se dire ouais mais la fin si elle est bâclée elle va être nulle et tout, donc j'ai pas envie de regarder un manga où la fin sera à chier quoi. Alors que là, je pense que franchement, la fin a moyen d'être sympa. Enfin, je pense tout du moins que Kubo va clairement essayer de limiter la casse et de faire un truc assez potable. Mais c'est vrai que le truc qui va me faire chier, c'est que ça va être la deuxième fois que je vais dire au revoir à Bleach, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'ils avaient continué du coup, parce que je suivais uniquement l'anime. Et j'avais pas su qu'ils avaient continué le manga. Par la suite avec un dernier arc, avec l'arc des Quincy. Et quand j'avais, je savais pas ça, j'avais eu un petit pincement au cœur en voyant l'épisode 366, je crois que c'était celui-là, le dernier épisode de Bleach. Et là, de savoir que c'est encore la fin, et que cette fois-ci c'est bel et bien la fin, normalement. À moins que peut-être que dans quelques années, Kubo soit autorisé à faire... Par je ne sais quelle raison, sera autorisé à faire une petite fin ou un truc comme ça, rajouter des trucs peut-être. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, peut-être que Bleach, on va en réentendre parler de Bleach plus tard dans le futur, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez dommage. Et ça va être très triste pour les gens qui, comme moi, sont vraiment très fans du manga et qui avaient déjà dit au revoir à Ichigo. Dans l'anime et qui du coup va devoir redire au revoir, et ça va être assez triste. Mais peut-être qu'on aura l'adaptation animée si vraiment ça marche. S'il y a moyen, ce serait vraiment très cool. Mais à ce moment-là, il faudra dire encore au revoir une troisième fois à Bleach, et ce sera quand même assez dommage. Mais bon, ce sera comme ça. Bah, c'est ça. Là encore. Contrairement à Naruto, Bleach fait moins l'effet d'une nostalgie. C'est vrai qu'on a la nostalgie de se dire, voilà, au début il était comme ça, il était pas assez puissant, il n'avait pas de pouvoir et tout. C'est vrai que c'est triste. Mais contrairement à Naruto, ou même Harry Potter par exemple, Harry Potter qui m'a vraiment bouleversé, moi, quand j'avais fini Harry Potter, je suis vraiment un
une énorme fan de la série Harry Potter, j'adore cette série, malgré que beaucoup le critiquent pour des incohérences ou des trucs comme ça. Moi je m'en bats les couilles, j'adore ça. Ça restera ma série de films préférée, mais. C'est vrai que c'est des trucs. Le fait que tu grandisses avec tes personnages, tu les vois évoluer et qu'ils ont à peu près le même âge à chaque fois que tu les regardes, ils ont à peu près le même âge que toi, c'est vrai que c'est triste, c'est dommage, c'est con. Et c'est vrai que c'est généralement ces trucs-là qui font le plus mal. C'est quand la nostalgie joue encore plus justement quand t'as suivi le héros depuis le tout début, depuis qu'il est petit, jusqu'à maintenant. C'est comme ça. Après, il y en a qui sont pas nostalgiques et du coup s'en battent les couilles dans tous les sens, mais. Oui, par exemple, la fin, par exemple, donc Sengoku dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais notamment la fin de Dragon Ball GT, le dernier épisode des BGT est vraiment trop bien, quoi, avec les flashbacks et tout, enfin. La musique et tout, si je me souviens bien, je crois qu'il y a des flashbacks aussi, si je me raconte, je me souviens plus, c'était Dark Horse qui m'avait fait montrer, parce que j'avais pas suivi GT, mais il m'avait fait montrer la fin, le dernier épisode, avec justement ce petit côté nostalgique, et se dire que c'est la fin, c'est vrai que c'est un épisode qui est très cool. Mais encore, je trouve que Dragon Ball, ça peut marcher, même si par contre celui-là, on a un peu plus de mal à se reconnaître en tant que perso, parce que le perso lui-même, on sait pas trop l'âge qu'il a, on sait que quand il est petit, voilà, il a à peu près, on va dire, 10 ans, un truc comme ça, tout cassé. Après, quand à la fin de Dragon Ball, il a à peu près, on va dire, 15, aux alentours de 18 ans peut-être. Je sais pas, après, vers Dragon Ball Z, au début, il doit avoir dans les 30 ans peut-être, je sais pas, 25. Et sur la fin de Dragon Ball, voilà, c'est un grand-père, quoi. Donc, mais il se voit pas en fait, donc c'est pour ça que c'est, on voit, je trouve que le côté nostalgique marche peut-être un petit peu moins bien dans Dragon Ball, je dirais. Mais après, chacun ses goûts. Naruto, ça se voit clairement que le côté nostalgique marche parce qu'enfin, on arrive à suivre l'évolution. Là, on voit que Naruto, il est, enfin, il est, c'est un adulte maintenant. Il doit avoir quoi? Je sais pas moi, 30, 35 ans, un truc comme ça, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Mais bon, il est vieux quoi. Et si jamais il meurt, comme on peut voir dans Boruto, où justement apparemment il a l'air de mourir en train de ça, ce sera triste. Mais voilà, c'est ça. Par exemple, avec Gohan, ça marche mieux, par exemple. Parce que du coup, on voit bien que voilà, il est petit, enfin très petit, petit, ado, adulte, et voilà. Il est pas. Son évolution se voit mieux, alors que Sangoku, ça se voit, mais moi, je veux dire, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, parce que Sangoku, il dit qu'il est grand-père, mais ça se voit clairement pas, enfin, il a pas le look d'un grand-père, je veux dire. Je sais pas, je trouve que ça se voit moins. Mais bon. Voli, bon, il est 23 h, on va peut-être commencer à jouer un peu à Berserk. Berserk. Je vais supprimer ça d'ailleurs. Et bon, voilà, en tout cas, tout ça est bien bien triste. Malheureusement. Attention, ça va vous péter les oreilles. J'en suis désolé. Ah, attendez. Et voilà, par exemple, Fairy Tail aussi, on les voit pas. On les voit pas grandir ni évoluer, effectivement. Malgré qu'il y a quand même une évolution au niveau du caractère, hein, je trouve. Plus du caractère, mais. C'est à voir. Alors attendez. Ça, non. Qu'est-ce que c'est déjà mon truc pour enlever ça? Capture d'écran, voilà, c'est ça. Hop, supprimer parce que j'ai fait des tests pour voir si ça, je pouvais capturer
PS4. Alors, par contre, du coup, vous allez pouvoir peut-être m'aider, ceux qui connaissent notamment toi, Otaku, au niveau Otaku. Si, vu que toi tu connais le japonais un peu. Parce que là, le jeu est entièrement en japonais, il y a quelques trucs en anglais. Ça, je peux me démerder. Ah, fait chier, vous voyez pas la cinématique. Elle est vraiment très cool. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, j'ai fait juste le début pour voir à peu près les commandes et pas être un gros bouffon en commençant à jouer. Mais... alors attendez que j'arrive à retrouver c'est quoi déjà pour faire. C'est pas ça. Putain, à chaque fois je suis perdu moi dans ces trucs là quand je fais pas de live depuis un bon moment. Toujours perdu. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, on va baisser ça. Hop. Je crois que c'est ça. Ah, attends, il faut que je règle mes trucs parce que. Alors, s'il y a ce bruit là, c'est normal, c'est le. C'est l'émulateur qui fait ce bruit là. Ah, putain. En plus, j'ai pas pensé à régler mes trucs avant. Évidemment, tellement je suis quelqu'un de. Très organisé. Voilà. Alors, du coup. Est-ce qu'il utilise tout ça? Je crois qu'il utilise pas tout ça. La musique, en tout cas, l'intro est très très cool. Enfin, j'arrive à régler ça maintenant. Le jeu est vraiment très très beau hein, pour la PS2. Je trouve que le jeu est vraiment super. Hein. Et du coup, ça va pouvoir nous faire attendre pour le jeu PS3, enfin PS4 qui va sortir. Très bientôt il me semble et qui du coup par contre promet du lourd. Je vais essayer de remettre la cinématique pour que vous puissiez la voir parce que enfin l'intro. J'espère qu'ils vont la remettre si j'appuie pas sur quelque chose. Généralement ils font ça dans les jeux PS2. Parce que l'introduction est très très cool. Est-ce que ça va me mettre la cinématique? Non, oui, peut-être. Ah, si je relance, je relance au pire, attendez. On va relancer. Regardez-moi ça. Tout en japonais, c'est beau ça. Est-ce que le son est assez fort et pas trop fort par rapport à ma voix? Est-ce que tout va bien? Alors attendez que ça commence, voilà, qu'il y ait un peu de son pour pouvoir régler ça. Que je règle le son. Que vous m'entendez bien et que vous entendiez quand même un peu le jeu. Ce serait con de pas entendre le jeu. Je suis content d'avoir enfin trouvé le jeu parce que j'ai eu du mal à le télécharger. Bon, je vous laisse écouter l'introduction car elle est très cool.
Trop bien. Donc je fais un petit coucou à mon père apparemment qui est en train de regarder le live, donc coucou. En plus ils sont partis du coup en vacances dans le sud chercher le soleil, tout ça. Alors maintenant vous avez vu la cinématique de ce jeu qui est vraiment, enfin franchement le jeu est trop beau, je sais pas si vous avez vu mais c'est un truc de dingue, le jeu est trop beau pour la PS2. Donc je vais mettre en facile. Parce que voilà, je suis une petite bite. Je sais pas du tout ce qu'ils disent à côté, mais bon. Faire ça comme ça, hein. Et je crois que. Est-ce que ça a gardé mes paramètres d'avant ou est-ce qu'il faut que je fasse F9? Attendez. Voilà, faut que je fasse ça. J'espère que ça a pas trop. Salut Tova! Comment vas-tu? Tu arrives pile poil à l'heure pour le début du let's play de Berserk sur PS2. Sorti uniquement au Japon, de ce que j'ai vu. Donc pour ceux qui ont suivi le manga. Donc malheureusement on vit pas, du coup on joue pas pendant la période de l'éclipse. Ce qui est dommage, on est tous tristes par rapport à ça parce que c'est quand même. C'est quand même dommage de louper ça. Alors le doubleur de Guts, du peu que j'ai entendu, je trouve que sa voix est pas mal malgré que je la trouve un petit peu. Je la trouve un petit peu trop pas assez grave en fait. Bah ça va très bien aussi, écoute. Ah bah ça risque de spoiler par contre, clairement. Donc ça par contre ça risque de clairement spoiler. Par contre ça va spoiler du coup le passage de l'éclipse qu'on voit là. Et ça va spoiler aussi à partir du tome 20-21, un truc comme ça je crois. Parce que le jeu reprend à peu près à partir du tome là on a l'éclipse. Et c'est en fait un flashback et là voilà on retrouve à partir à peu près du tome 21-22 je crois que c'est. Parce que moi je me suis arrêté au tome 21 et il me semble avoir lu jusqu'au tome 22 sur internet, je me souviens plus. Oh c'était exactement. Ah les jeux sont assez durs à trouver, moi j'ai la chance d'avoir un magasin de manga dans la ville d'à côté. Qui a tous les Berserk, donc là je suis assez content. Yeah.
Je trouve que la voix qui irait le mieux à Guts, en fait, serait limite la voix de Zoro. Et Puck, je crois que c'est, si je me souviens bien, j'espère que je me trompe pas, c'est Puck qui s'appelle la fée. J'espère que je me trompe pas. Je sais plus si c'est Pluck ou Puck. Je crois que c'est Puck. Ça me plaît. Mais c'est pour le tuto, mais normalement, si je me trompe pas, j'espère ne pas me tromper. Normalement, je vais faire non. Ce que j'ai fait l'autre jour. Là, je pense qu'il veut dire, est-ce que tu es sûr? Je vais faire oui. J'espère que c'était ça, parce que je crois que... À moins qu'il me dise... Ah, c'est bon, c'est ça. Donc là, en fait, on tombe directement devant le premier boss. Et il m'a fait ramer l'émulateur la dernière fois que j'ai fait ce boss-là, l'autre jour. Si ça rame, c'est normal, c'est à cause des particules en fait de neige. Ce qui du coup fait ramer grave la console. Putain, il rame encore plus que l'autre jour. Ah, attendez, parce qu'il est pas, très dur, mais il est pas simple non plus. Oh là 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 là, ça rame de ouf par rapport à l'autre genre quand j'ai joué. J'espère que ça va faire que là parce que voilà, dès qu'il n'y a plus les particules, c'est vraiment les particules de neige qui font ça. Là vous voyez, là c'est très fluide. Hein. Et là dès que ça fait ça, là il y a un counter. Le jeu est très cinématique, hein. Franchement, la mise en scène du jeu est vraiment très très cool. Hein. Franchement, quand on est fan de Berserk. Pac, c'est ça. Ok, je suis content de ne pas me mettre, trompé. Là, le gameplay est assez cool. Hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Il est assez fluide. Bon, un petit peu lent, mais normal. On commande quand même un mec, un putain de bourrin qui. Oula, 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 oula. Donc on a un mec quand même qui a une putain d'épée, donc c'est un peu normal que ce soit un petit peu lent, mais par contre vous allez voir, les combats sont trop bien. Quand on va avoir plein d'ennemis, vous allez voir côte à côte, c'est trop bien. Ah moi aussi j'ai les SNCA, j'ai l'impression qu'il a tous les SNCA. Faut que je me décide à prendre l'édition collector. Mais bon. Elle coûte pas très cher en plus, je crois que c'est juste 10 € entre ça. Ou non, je crois que c'est 9 €. Ils ont très bien réussi Puck, hein. Je trouve qu'il est vraiment très cool. Belle zik. Je vous rassure, je sais absolument pas ce qu'il est en train de dire là. J'arrive à plus ou moins à suivre parce que j'ai vu déjà ce passage-là en manga. Mais j'ai pas à dire pour pas spoiler du coup, par exemple Tova qui n'a pas lu jusqu'ici. Il y aura des spoils inévitablement du coup parce qu'on sera en. Beluzelk. Beluzelk. Il y aura des spoils, enfin, voilà parce que c'est le jeu dans les cinématiques, vous verrez des trucs. Alors, regardez-moi ça. Je trouve que le jeu, pour la PS2, regardez-moi ces combats. Ce que j'adore, c'est le détail qu'il y a au niveau des coupures. Genre, je coupe le bras du mec, là j'ai coupé le mec en deux. Et là, si je vise, genre, quand l'épée va passer sur la tête d'un mec, l'épée va être... Enfin, c'est la tête qui va être coupée en deux. Et je trouve ça ouf, quoi. Regardez-moi ça. Là j'ai coupé son bras. Je trouve que le détail au niveau regardez, j'ai tout. Ah c'est trop bien. À chaque fois je suis. La première fois que j'ai joué à ça l'autre jour là, c'était il y a 2 jours je crois ou 3 jours. J'étais mais waouh quoi, pour la PS2 c'est ouf quoi le. Un peu le niveau de détail qu'il y a. Donc ça c'est une shop. C'est très stylé, très cinématique. Je trouve que le niveau de détail, genre quand l'épée va passer à ce niveau-là de l'ennemi.
C'est à cet endroit-là que l'ennemi va être coupé. Regardez, hop. C'est ouh, c'est trop bien fait, quoi. Oui, celui qui a fait Berserk, c'est Kentaro Miura, non? Si je me trompe pas. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite pause. Je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté et que vous verrez. Du coup, c'est un petit peu exclu. Je crois que je te l'avais dit d'ailleurs, Otaku. Je me suis acheté ce mois-ci une édition, enfin l'artbook de Berserk. Et il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Il faut, si vous pouvez le trouver, il est à peu près à 23 euros et quelques, 25 euros, je crois à peu près. Je crois qu'il est à 23,50 €. Et franchement, pour vous montrer par rapport à l'édition, enfin par rapport à l'artbook de l'artbook de comment ça s'appelle de Parasite. Qui là je disais qu'il valait un petit 7 sur 10 parce qu'il y avait quand même des illustrations qui servaient pas trop à grand chose parce qu'il y avait des doubles pages noires et tout ça. Mais par contre, celui-là vaut un bon 10 sur 10 parce que putain, regardez-moi ça, regardez-moi ces illustrations. Oh là 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 là. Oh là 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 là, regardez-moi cet œil qui veut vous. Enfin, ce mec qui veut vous violer quoi. Et c'est trop bien. Et ce qui est ouf dans ce. Dans cette. Dans cette édition artbook de Berserk, c'est que en fait il y a tout un passage où ils vont retracer. Donc là je vous passe. De toute façon j'en parlerai plus en détail lors de la vidéo Hacha Manga du mois de mai, du mois de juillet pardon. Là en plus on a des passages. Oh là 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 là, c'est trop bien. Chaque fois que je regarde ça je suis. C'est trop beau. Et, pardon, regardez-moi cette double page. C'est trop beau. Ah, les interférences, ah oui. Oui, les interférences. Interfère-moi plus le portable, s'il te plaît. Ah là là, regardez-moi ça. Ah bah après, c'est cher, les artbooks. C'est très cher. Et franchement, ça fait plaisir. Et puis par contre, ouais, donc comme je disais, ce qui est cool, c'est qu'on a le droit à carrément un world guide. Ici. Et en fait, tous les pages qui vont rester après, ce sera donc notamment sur la fin, on a une interview exclusive, pardon, de Kentaro Miura en personne. Voilà, donc une interview, comme il disait, long interview. Donc voilà, vous avez ici long interview de Kentaro Miura, qui est très cool. Je l'ai pas encore lu, j'ai lu vite fait des petits passages. Par contre, ce qui est cool, vraiment cool pour ceux qui sont un peu perdus dans le manga et tout, c'est que vous avez plein de pages. Ça va être compliqué de vous le montrer là, mais en fait, qui sont l'historique de Berserk. Et en fait, ça vous raconte en fait tout ce qui se passe depuis le début de Berserk jusqu'à maintenant. Et enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à là où l'artbook était sorti quoi. Et du coup vous avez carrément, enfin voilà, tout un truc qui vous retrace chaque détail, comme par exemple là ici c'est pourquoi est-elle devenue mercenaire en parlant de Casca et tout. Donc vous avez vraiment un petit récapitulatif de la vie de Casca, de la vie de Griffith et tout. Et franchement c'est très cool. Par exemple ici vous avez Guts, les origines de Guts, qui vous montrent un peu, par exemple ici, par ici, voilà, depuis qu'il est bébé, un peu de son évolution, que là jusqu'à c'est du coup, c'est hop, ici j'ai du mal à montrer, c'est 15 ans, je crois qu'il a 15 ans ici, qui dit, ouais, 15 ans, 15 ans, et regardez-moi ce mec badass quoi, à 15 ans, et du coup, voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment ultra cool d'avoir ça pour si jamais vous êtes un peu perdu, d'avoir des petits détails comme ça qui sont parlés, du coup, enfin qui sont décrits dans. Dans ce livre, donc vraiment très cool. Je suis très content d'avoir justement trouvé cet artbook qui était présent à la Japan Expo, mais que du coup j'ai acheté à Saint-Brieuc, donc dans la ville d'à côté, de chez moi, et qui fait vraiment ultra plaisir. Car putain de merde, c'est trop bien quoi d'avoir un artbook de ça. Il est trop bien fait quoi. Par contre, je sais pas qu'est-ce qui m'envoie des interférences comme ça. Je crois pas que c'est mon portable ici parce que c'est très chiant du coup pour vous comme pour moi. Et alors attendez, du coup on est reparti.
Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Et oui, les artbooks, d'ailleurs, artbook de Jojo, je pense c'est les plus rares à trouver, enfin c'est les plus chers notamment, parce que il y en a plein et ils sont tous ultra différents, quoi. Et tous très bien faits. C'est le 10 du mois prochain. Bah, si j'y pense, je te souhaite très bon anniversaire. Tu as la page 1665 de Bakuman. Ah, je lis pas Bakuman donc je sais pas trop. Donc on va un peu avancer parce que je crois que les ennemis arrivent à l'infini. En tout cas, c'est très cool d'enchaîner les ennemis comme ça. Enfin, c'est vraiment le gameplay trop cool. Le jeu il rame un petit peu moins là déjà. Ah c'est dès qu'il y a un peu de sang et de ça rame un petit peu. Parce que voilà c'est les particules qui font que ça rame un petit peu. Oh là je me fais défoncer. Ce mois-ci j'ai dépensé 500 euros au moins pour les mangas et figurines et jeux vidéo. Mais mon plus beau achat c'est le poster collector de DBZ. Ouais ça du coup tu m'avais dit effectivement c'est... un gros GG. Regardez-moi ces shops, c'est vraiment trop bien. Par contre, je prends grave cher là. Ah, d'ailleurs, vous pouvez voir peut-être si vous faites gaffe au niveau de ma barre de vie. Donc, c'est le carré rouge qui est en haut. En fait, normalement, c'est un bug en fait de l'émulateur. C'est pas censé être un carré, normalement, c'est le rond en fait tout simplement qui est rouge. Putain, je prends grave cher. J'avais pas perdu autant de vie là ma première partie. Hein. Et pourtant, j'avais joué en normal, je crois, pour ma première partie. Je sais même plus si j'avais joué en normal, en tête. On va bientôt voir le prochain combat de boss qui est vraiment mais trop trop bien. Enfin franchement j'ai hâte de vous le montrer, il est trop trop bien. Par contre c'est un spoil évidemment mais bon c'est pas non plus un énorme spoil. Malgré que quand même c'est plus cool de voir ça en manga. Mais de toute façon dans Berserk je me suis arrêté au tome 22 je crois, un truc comme ça. Enfin je sais plus exactement si c'est le tome 22 ou quoi, là c'est un point de sauvegarde. Peux-tu sauvegarder? Oui. Putain, c'est quoi ces interférences? Ah bah c'est ici. Je reçois des notifs. Je reçois des notifs en fait sur mes... Je vais passer en mode avion si je peux. Je crois que c'est ça qui... Ça devrait arrêter je pense. Non, ça continue. Est-ce que si je mets en... Ou sinon, ne pas déranger. Ouais, parce que je me suis. J'ai téléchargé des applications sur mon portable et du coup. Épouse-moi notre maison, sera un temple, t'es quoi. Ah bah écoute, donc là, c'était ma partie, vous avez vu, j'ai passé 3 heures aussi. C'est ta femme qui sera pas contente, Tony. Pourquoi tu nous détestes, Quentin? Ouais donc comme je disais Berserk, moi je me suis arrêté quand le groupe de Guts là est arrivé dans la maison de la sorcière. Enfin qui va pas tarder à repartir. Et je me suis arrêté là parce que je lisais ces passages là en... J'avais lu mais jusqu'au tome 21 du coup en manga papier et puis j'avais continué en... Sur internet mais je préfère lire en manga papier. Donc je préfère attendre. Là, je crois qu'il y a le boss. Là. Ah, bah, viens quand tu veux, Tovar. Si tu passes, on se fera un petit café. Si tu passes en Bretagne, Guingamp. Ah, regardez-moi ça. Ce passage-là est trop bien. Avec toutes les épées. Qui est en gros, si je me souviens bien, c'est le cimetière en gros de... Enfin voilà, c'est un cimetière, je vais pas dire de quoi parce que du coup, pour une spoiler, mais...
Bon, quand je dis café, hein, ça peut être autre chose, hein. Moi je dis café parce que c'est ce que les gens disent. Moi personnellement, je suis pas trop fan du café, donc pour moi ce sera plus jus d'orange ou, ou chocolat chaud. Franchement, le jeu est trop beau, quoi. C'est un truc de dingue. T'as cru que j'avais le temps? Pareil, le doubleur de Zod, je suis pas fan. Hein. Donc on va combattre Zod. Zod. Zod l'immortel. Et le combat est trop bien. Oula. Aïe. Il est mieux quand je me fais pas défoncer. Oula 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 oula. Il est assez dur hein, quand même. Il fait pas trop dégâts parce que voilà, c'est le début du jeu, mais je pense qu'en normal ou un truc comme ça, il doit être assez balèze. Heureusement, on fait grave des dégâts quoi. Un max de dégâts. Admirez-moi ce combat, il est trop bien quand même. Et merde, putain, il est à côté. C'est trop bien, n'empêche, pour les fans de Berserk de pouvoir utiliser sa putain de son putain de canon dans le bras, quoi. C'est trop bien, genre. Et en plus, il fait trop mal quand tu le foires pas comme moi j'ai fait, comme une pauvre merde. Ça marche trop bien. Il y a ses grenades, il y a ses couteaux. Counter. Oh là là, qu'est-ce que c'est cinématique. Oh, j'adore. Là, j'utilise l'arbalète. Hop, le triangle. C'est la fin du combat. Première partie, maintenant la deuxième partie du combat. Et maintenant on a la partie bestiale de Zod à combattre, qui là est beaucoup plus chiante à combattre. C'est Dark Souls avant l'heure. Hein. Je veux plus utiliser le canon hein, par contre. Oh là là, il me défonce. Je peux appeler Puck, donc il y a des alliés en fait. Vous pouvez voir avec L2, je peux appeler des alliés. Puck en fait, il est là juste pour me. Pour. Putain, ça rame un peu hein, pour ce combat. Dès qu'il y a des gros ennemis. Puck en fait, il vient tout simplement pour me soigner, donc je vais l'appeler. Je vais l'appeler maintenant. Voilà. Et il va me soigner en fait. Voilà. Merde, si je me foire pas. Hop, le triangle. Chim. Oh, c'est tellement stylé, putain.
Le counter. Encore le counter. Oh, regardez-moi ça. Le counter était trop bien quoi. J'avais pas fait ça la première partie, je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'avais pas vu que ça marchait comme ça. J'appuie sur L1 et très bon, mais ça marche pas. C'est ça, c'est un peu le Navi de Zelda. Non, plus drôle quand même. Zod est tellement plus stylé comme ça avec sa corne en moins et sa cicatrice qu'il a en version normale, enfin en version humanoïde. Je trouve qu'il est large classe comme ça. Tellement classe, putain. Et là, le mec, vu qu'il a. Il s'en bat les couilles, il est allé rechercher. Parce que là, pendant le combat, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a même pas sa cape. Et là, il s'est dit, bon, je vais la remettre quand même. On s'en. Je suis pas une merde, du coup, il a récupéré sa cape. Ça, c'est drôle, ça fait un peu le mec. Je veux bien continuer, mais pas sans ma cape quand même. Faut quand même pas déconner. Et là, maintenant, il y a des chiens, il y a des fantômes. Et là, c'est la fête au village au niveau des monstres. Il y a des monstres de partout, ça découpe. Là, franchement, je sais même pas s'il y a une fin parce que, franchement, je suis resté, j'ai tué jusqu'à. Au niveau des combos, je suis allé jusqu'à 100, hein. 120 et quelques, et puis je me suis arrêté parce qu'il y a tellement d'ennemis, enfin, ça continue à l'infini, j'ai l'impression. Je sais pas s'il y a une fin d'ennemis, mais en tout cas. Swing. Voilà, ça bourre dans tous les sens. Franchement, le jeu. S'ils arrivent à faire un jeu aussi bien sur PS4 avec le prochain Berserk qui va sortir, putain, mais. Ce jeu, le jeu de l'amour, quoi, franchement. Là, je me suis foiré. Parce que là, franchement, si. Moi, je vais gueuler, hein. Si jamais dans le prochain Berserk, déjà, rien que pour le truc des dégâts avec l'épée qui passe à cet endroit-là et l'ennemi est découpé à cet endroit-là. Je veux ça dans le jeu de PS4, il n'y a pas raison que ça marche pas, que ça marche sur un jeu qui est dans une. Enfin, qui est assez vieux, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Mais il est. Qui est sorti sur PS2, et que maintenant, deux générations de jeux plus tard, ils n'arrivent pas à remettre un système comme ça de dégâts, enfin de localisation des dégâts sur les ennemis, ça va gueuler, hein, parce que putain, là, c'est tellement jouissif en fait de pouvoir. Dire hop, je vais couper cet ennemi là, hop, et je sais qu'en faisant, en attaquant dans cet endroit là, hop, il sera coupé en deux, voilà, comme ça. Là, je coupe ce chien là, il sera coupé comme ça. Regardez, l'épée passe sur la tête, c'est la tête qui est coupée, pas le mec en entier qui est coupé. Enfin, c'est trop bien, quoi. Bon, là, je vais partir parce que sinon c'est infini, mais. C'est trop trop bien, quoi. Je trouve ça ouf, quoi, que. Sur PS2, déjà le jeu est magnifique, et puis surtout que. Enfin, ouais, quoi, je sais pas, les trucs des dégâts comme ça, je trouve ça tellement bien fait. Excusez-moi, excusez-moi, je sais que normalement faut que je combatte les ennemis, mais bon, ils sont à l'infini, donc c'est un peu chiant. Je pourrais essayer de les combattre au pif comme ça. Et c'est vraiment dans ce jeu-là, par contre, qu'on remarque que Guts. Quand dans le manga ils disent il arrive à manier ultra rapidement cette arme-là pour une arme de cette envergure, franchement on s'en rend compte surtout quand t'appuies sur R1, il passe en une posture comme ça devant, et en fait quand tu fais carré, hop, il attaque hyper rapidement, et c'est vrai que du coup on s'en rend compte vraiment dans ce jeu que du coup Guts, bah putain, il attaque vachement rapidement pour une épée de cette taille-là. Hein. Bon, au niveau des combos, je dirais, je vais pas mentir, c'est vrai que ça manque un peu de trucs parce qu'on a carré pour du coup attaquer comme ça. Normal. On a triangle, hop, sans enfoncer qui fait ça. Un gros slash à peu près à 180 degrés.
Hop, et en restant enfoncé, il fait voilà deux trucs comme ça. On a quand on a le symbole, une espèce de chope qui en gros voilà va choper un monstre, elle va le tuer le instant kill généralement. Et sur les boss, ça fait justement les fameux fameux combos qu'on a pu voir, qui sont hyper stylés, qui font ultra mal. Et on aura combien hein. Ah, attendez que je vous lise un peu. Et du coup, sinon, on a rond pour faire des dashs, on a croix pour protéger, qui sert à rien hein, globalement. Enfin, moi pour l'instant, je ne suis jamais protégé. Peut-être que plus tard dans le jeu, contre des boss, ce sera utile de se protéger. Je crois que pour mon Zod, dans mon autre partie, je m'étais protégé. Une fois, mais bon, ça sert pas trop à grand chose parce que généralement il vous propulse à mort. Sinon, quand j'appuie sur L1, on a du coup les différents gadgets de Guts. Par exemple, le triangle, c'est son fameux canon qui fait putain de mal. Rond, c'est ses petits couteaux. Carré, c'est son arbalète. Et croix, c'est ses grenades. Avec L2, on a les familiers. Donc là, c'est Puck. Plus tard, on aura d'autres familiers. Enfin, d'autres alliés, je veux dire. Et sur L1, on a sur R1, pardon, on a la posture épée en avant où du coup il attaque hyper rapidement en appuyant sur carré. Si on appuie sur son angle, ça fait rien de spécial, ça fait la même attaque. Par contre, si on fait carré et absolu triangle, ça donne un coup vertical plus rapide et beaucoup plus violent aussi. Enfin, voilà. Et R2, je crois que c'est, voilà, ça passe en berserk. J'avais complètement oublié cette option. Et voilà. Et là, par contre, ça fait un carnage. Donc ça fait ramer à mort la console aussi. Enfin l'émulateur. Mais voilà, donc voilà, maintenant que c'est fait, on va avancer un peu. Je vous lis, hein. C'est normal que je parle pas, je suis en train de vous lire. Tu rends l'a dit du coup, Nier Otaku. Ah, mais toutes les bonnes choses ont une fin, hein. Notamment aller au Japon. Un 1m84 par contre, toi, putain, t'es plus grand que moi pratiquement, je suis 1m79. Pour à peu près le même poids aussi, 80 kg, 90 à peu près. Alors on est bientôt à la fin du premier, enfin de la première partie du premier chapitre, je crois. Moi je m'étais arrêté ici, moi. Donc maintenant c'est que du nouveau. Pour moi. Voilà. J'adore Puck, il est tellement drôle. Tu parles à moi, Tony? Alors par contre, petite question, enfin je sais pas si vous connaissez du coup le jeu ou quoi, mais je me demande si du coup... Alors on va sauvegarder. Faut pas que je me trompe parce que du coup en japonais pour faire ok c'est rond et pas croix. Et du coup vu qu'on est habitué ici à faire croix, ça c'est tendu d'avoir pas l'habitude d'appuyer sur croix. Croix c'est pour faire retour. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent le jeu, me dire si du coup l'histoire ça suit bien. Pour l'instant j'ai l'impression que ça suit plutôt bien. Du peu que j'ai vu, ça suit plutôt bien le manga là où c'est arrêté, donc je dis à peu près au niveau du tome 21, un truc comme ça, 22.
Le combat avec Zod, je crois que c'est le tome 21 ou 22, je sais plus. Je crois que c'est le tome 22. Il me semble avoir lu sur internet le tome, ce passage-là, donc du coup, je crois que c'était au tome 22. Mais après, je sais pas si du coup la suite, c'est une histoire originale faite par Kentaro Miura pour ce jeu, ou est-ce que c'est vraiment la suite du jeu, enfin la suite du manga normal. Oui, avec moi. Bah ouais, pas de soucis. Si j'ai de l'argent, moi j'attends qu'une chose, c'est partir au Japon. Hein. Et c'est vrai que partir avec quelqu'un qui est déjà allé au Japon et qui connaît les trucs, c'est vrai que c'est plutôt cool. Oh là là, ces putains d'arbres qui me défoncent. Ouais, ça a moitié le nid. Parce que j'avais fait triangle vers la gauche et ça m'a fait sur le mec tout à droite. Aucune logique, mais bon, c'est pas grave. Alors je vais avancer. Franchement, j'adore les combats. Hein. C'est vraiment trop bien. Il n'y a pas beaucoup de coups, mais c'est tellement bien de pouvoir trancher les ennemis comme ça, des bonhommes de neige là, à tout vol, c'est tellement cool. T'en bats les couilles de tout, et puis jouer Guts, enfin c'est tellement bien. Quoi. Ah, j'imagine que ouais, de toute façon le Japon, que ce soit au niveau des jeux ou au niveau des mangas, hein, c'est vrai qu'ils sont gâtés. Hein. C'est le cas de le dire, parce qu'entre les nombres de jeux qui sortent que au Japon et qui sont pas sortis en France, notamment celui-là, imaginez, il serait sorti en France, ce jeu-là, quoi, Berserk. Il y en a un Berserk qui est sorti en France, je crois que c'était... Enfin, qui est sorti au moins aux États-Unis, il me semble. Je crois qu'il est sorti en France aussi. C'est le Berserk sur Dreamcast. Ou Saturn, je crois que c'est dans le casque. C'était Sword of Berserk, entre ça. Et qui est... j'ai pas testé s'il est cool ou quoi. Mais en tout cas, franchement, vous avez celui-là de Berserk. Mais putain, quoi. Franchement, tous les fans de Berserk, ils kiffent, quoi. Et si le prochain jeu Berserk ne sort pas en France, ce serait fort dommage. Salut Gamin TV. Ce serait fort triste et fort dommage. Ah, moi de toute façon, si j'achète des trucs au Japon, même si je lis pas, je les achèterai juste pour la collecte. Hein. Si ce n'est au moins des hentai. Hein. Pour avoir à dire, ouais, j'ai un hentai dans ma bibliothèque. Hein. Même si je le lirai pas ou entre ça, ou peut-être que je le feuilleterai, mais voilà. Ah c'est vrai qu'il sort quand déjà l'attaque des titans, c'est vrai qu'on va peut-être, on avait peut-être prévu du coup Darkozemo de faire un let's play sur la chaîne de l'attaque des titans et même peut-être Jojo mais il faut que je l'achète et c'est pas encore sûr. J'ai pas de thunes pour l'instant et là je dois déjà m'acheter les 4 tomes, 4 prochains tomes de Yotsuba. Parce que le mois de juillet a été vraiment, enfin je me suis arraché niveau manga, je me suis acheté plein de trucs. Et là, mes parents ont donné 50€ ou 80€, je crois, pour les courses. Et généralement, bah, vu que mes parents sont pas là en ce moment, ils nous laissent ça pour les courses. Et généralement, je pioche un petit peu dedans pour pouvoir m'acheter un petit peu de manga, mais là, je pourrais pas. Et là, on a le côté un peu, le passage un peu. Là, pour l'instant, ça suit très bien le manga. Hein. Là, on a un peu le passage pétage de câble de Guts.
Ah mais mec, va, va, putain, regarde Berserk, lis Berserk, surtout lis le manga, parce que, alors l'ancien animé je l'ai pas regardé, je crois que j'ai regardé l'épisode 1, mais j'ai laissé tout. Ah, un nouvel ennemi, tiens. Et c'est putain de trop bien mec, franchement, lis les mangas, au moins lis les mangas. L'animé, je sais pas ce qu'il vaut du coup l'ancien animé. Je sais que le dernier je le regarde pas parce que j'aime pas la direction artistique là, en CGI. J'étais tout content, franchement j'étais comme un ouf en entendant l'arrivée d'un nouveau Berserk en animé. Surtout que ce qu'on voyait c'était les images en 2D et que j'étais comme un gamin quoi, en attendant le Père Noël. J'étais vraiment ouf de chez ouf, et dès que j'ai entendu que c'était en CGI, j'ai failli pleurer quoi, franchement. Ça me dégoûte. C'est comme les films en fait, hein. Les films sont très bien en 2D, et puis dès que ça passe en 3D, ça devient à moitié dégueulasse. C'est vraiment dommage. Même si les films, ça reste cool de les regarder. Si jamais vous avez rien à regarder, et puis vous avez envie de regarder du Berserk, les films sont cool, mais voilà, le CGI, moi je trouve que ça fait chier. Hein. Moi je suis pas du tout pour le CGI, j'aime pas du tout ça. Malgré que c'est vrai que dans un manga, je dis pas non, si jamais c'est en arrière-plan, par exemple, comme on peut le voir en ce moment, il y a beaucoup de... Enfin, pratiquement tous les mangas font ça maintenant, avec les passants qui passent en arrière-plan et qui sont en CGI. Ça, je m'en fous, c'est pas grave, mais je veux que le principal soit en... BAM! Je veux que le principal soit en 2D, quoi. Ah, je me fais défoncer. Mais ouais, putain, tout ça pour dire que Berserk, manga de la vie, hein. Putain, c'est tellement bien. Vraiment. Hein. C'est tellement, 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 tellement bien. D'ailleurs, tiens, Tony, est-ce que t'avais regardé, t'es arrivé où dans Berserk? Est-ce que tu lis Berserk, toi? Il me semble que je pense que oui. Pour me dire vrai où t'es arrivé, parce que j'ai besoin d'avoir ton avis sur un passage de Berserk, parce que il y a un passage que j'aime beaucoup et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui aime ce passage-là, alors que moi je l'aime beaucoup. Je vais voir savoir ton avis. Qui ça, toi? C'est vrai que t'as tellement de noms. On ne sait plus comment t'appeler. C'est, tu sais, au passage, lorsque il y a le deuxième. Bailey, je crois que ça s'appelle, je me souviens plus. Tu sais, l'œuf qui se transforme en visage là. Qui se passe au niveau de l'église, tu sais, là où il y a l'espèce de moine fou avec un chapeau qui est tout carré, qui se transforme en espèce d'archange démoniaque ultra balèze. En gros, il y a une espèce de deuxième éclipse en fait, je crois que c'est ça hein, qui se passe dans ce passage-là. Et j'entends jamais parler de ce passage-là en Sardaigne, et je me demandais si les gens aimaient bien ça parce que je trouve que ce passage-là, malgré qu'il soit un peu longuet, je trouve que franchement, il est vraiment très très cool. Et j'aime beaucoup le combat qu'il y a entre Guts et ce moine-là, qui est vraiment très cool. Et ce passage-là, enfin même globalement, je le trouve vraiment très bien fait. Presque aussi bien que l'éclipse de base qu'on voit avec Griffith, quoi. Par contre, là, je commence à avoir des chutes de FPS. Je suis un peu désolé pour ça. Ah, des nouveaux ennemis. Des zombies, je pense. Oh. Tiens, je vais appeler Puck pour qu'il me soigne un peu.
De nouveaux ennemis. Oh, ils ont l'air rapides, putain. Par contre, ce qui est bien en jeu là, le fait qu'ils aient mis des ennemis en fait à l'infini, c'est vrai que c'est cool d'un côté parce que malgré qu'on se dit putain c'est chiant, les ennemis ils veulent pas s'arrêter de venir, c'est quand même... Non, c'est pas sur le tome 25, c'est au tome tome 15 ou 16 ou un truc comme ça. Non, même pas, je crois que c'est au tome... Enfin, c'est vers la vingtaine, hein, 18-19 je crois même. Parce que 15 c'est ouais, c'est avec la fée je crois, 15-16 c'est vers la, avec la fée, qui est vraiment très bien aussi, le combat est trop cool. Mais c'est pas celle-là. Et oui, donc je disais le truc, le fait qu'ils aient mis des ennemis comme ça à l'infini, ça montre quand même d'un autre côté la fatigue que doit avoir Guts de frapper tout le temps comme ça, vous imaginez? Oh, infatigable, je sais plus comment on dit ça, enfin bref, inlassablement, voilà, enfin, tout le temps devoir taper sur des ennemis sans arrêt, tout le temps la même chose, toutes les nuits, des centaines d'ennemis qui viennent vers lui, ça doit être éprouvant, mais un truc de dingue, et on le sent en combattant, on fait putain, mais ça s'arrête jamais de venir. Ça continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, cette impression-là qu'on ressent dans le manga avec Guts qui est tout le temps fatigué avec ses combats est bien retranscrit, je trouve. Mais cette fois-ci, avec votre expérience à vous dans le manga, en fait. Enfin, dans le jeu. Et je me demande s'ils vont faire la même chose dans le prochain jeu. Parce que c'est vrai que du coup, même si c'est pas voulu, c'est un truc qui est vraiment bien, je trouve. Hein. Ouais, les tomes sont... Enfin, franchement, Berserk est vraiment trop bien. Ah, merde. Allez, chope un monstre. Ouais, c'est ça, avec le prêtre. Je trouve que ce passage-là est vraiment trop bien. Voilà, par contre, du coup, c'est fait exprès qu'il y ait des ennemis, parce que je peux pas sortir. Voilà, là, c'est terminé. Lorsque c'est scripté, du coup. Mais... Ah, par contre, là, je commence à avoir des sauts de trucs depuis tout à l'heure. Ça va être un peu chiant. Regardez-moi ça. Ça, c'est dans le manga, hein, ça. Ouais, toi aussi t'aimes bien. Pour l'instant, je suis content parce que le... Tout ça, c'est exactement comme dans le manga papier. Hein. C'est très fidèle pour l'instant. Non, en tout cas, les cinématiques, ben, c'est... Après... Non, il est sur PS2. Et uniquement au Japon, donc du coup on peut avoir que la version japonaise. Je crois qu'on peut trouver sur émulateur, du coup, sur des sites, une version traduite en anglais. Mais en tout cas, oui. Moi ça me dérange pas de jouer en japonais parce que voilà, c'est pas. C'est pas très grave. Je jouais surtout pour les cinématiques, voir si le jeu était assez fidèle par rapport au manga. Et enfin, de ce que j'ai lu pour l'instant, parce que là ça arrive quand même au milieu du manga. Enfin, là ce qui se passe, c'est à peu près au tome. Dans les tomes 20, hein, tome 22 à peu près. Peut-être un peu avant, je sais plus exactement où c'est, mais c'est pas dans les 10 premiers tomes, hein, ça c'est clair. Et effectivement, Le jeu, c'est incroyable comment il est vraiment beau, hein. Je trouve qu'il est vraiment magnifique pour du PS2. Je sais que sur PS2, on a le droit à beaucoup de perles
sur PS2 qui était vraiment, enfin des jeux qui étaient vraiment magnifiques, mais là franchement celui-ci, je suis assez bluffé hein, de le voir. Bon, par contre il y a beaucoup d'ennemis ici. Hein. Boum, bouffez ça, putain, ça c'est tellement jouissif d'utiliser le canon de Guts. Ah bah ouais, spoil sur 20, tu m'étonnes. Franchement, sans déconner, sans mentir, je trouve que des fois, il y a carrément des passages dans les cinématiques qui pourraient même faire penser que le jeu est sur PS3, sans déconner. Hein. Je trouve que des fois, si par exemple on me fait montrer une cinématique à certains passages du jeu, je veux dire, si on me dit que c'est sur PS3, je dirais, je pourrais croire quoi. J'adore, au passage, j'adore le personnage à gauche. Hein. Je sais plus s'il s'appelle non, il s'appelle pas Ricardo, c'est dans Dark Souls. Oh, c'est quoi le doubleur qu'ils ont donné au mec? Ah, oh, j'imaginais pas du tout avec une voix comme ça. Ah, c'est trop bizarre. Par contre, je me souviens plus du tout des noms des personnages. C'est trop là, je me souviens plus comment ils s'appellent. Je sais qu'ils sont tous cool. Enfin, la meuf, j'aime un peu moins, mais pour l'instant. Mais le mec avec les cheveux longs et le petit, je trouve que c'est vraiment des personnages trop cool, quoi. En tout cas, j'ai hâte que le prochain. Ouais, justement, j'espère, ce que j'allais dire, j'espère que le prochain jeu de Berserk qui sort sur PS4, moi aussi j'attends beaucoup. Hein. J'espère qu'il sera vraiment aussi cool que celui-là. Comme je disais, hein, Gamer TV, je crois que t'étais pas là quand je disais ça, mais rien qu'au niveau des dégâts, quand tu regardes bien l'ennemi, surtout sur les personnages de terre en fait, enfin de neige, qui ça se voit vraiment très bien, je peux pas utiliser. Je peux plus utiliser mes gadgets, fait chier. Ça se voit notamment très bien sur les personnages, les golems de neige. Les dégâts en fait, genre, quand quelqu'un te coupe, tu vois par exemple l'épée il passe sur la tête d'un ennemi et la tête de l'ennemi se fait couper, c'est pas l'ennemi qui se fait couper, enfin c'est logique quoi dans le cheminement du truc. Genre là, tu vois mon épée passer sur sa tête, tu vois là, son épée, enfin c'est trop bien putain. Après je pense que ça doit laguer donc c'est un peu dur à suivre je pense de côté. Malheureusement là je commence à avoir des sauts d'FPS, depuis tout à l'heure c'était nickel et puis maintenant là ça commence à être un peu chou, de toute façon on va pas tarder à quitter. On va avancer un petit peu. Est-ce que je suis loin du truc? Ouais, je suis quand même assez loin. On va peut-être aller jusqu'au point jaune et puis après on va arrêter là. Pour cette première partie de ce let's play, entre guillemets. J'espère qu'ils feront au moins la même chose sur... Parce que s'ils arrivent à faire ça sur PS2... J'espère qu'ils feront la même quoi sur PS4 quoi, enfin c'est deux générations plus tard, il n'y a aucune excuse pour pas faire la même quoi. Je sais qu'ils vont mettre beaucoup plus d'ennemis et tout ça, mais déjà le jeu il a l'air d'être assez beau malgré que voilà il y aura quand même un downgrade parce qu'il sort aussi sur PS3 et du coup le jeu, étant donné qu'il sort sur PS3, ça va être en gros du PS3 Full HD vu qu'il sort. S'il sortirait que sur PS4, ce serait un jeu qui serait magnifique niveau graphisme et tout parce que voilà c'est du PS4. Là il sort aussi sur PS3 donc du coup le jeu va être d'abord fait pour être sur de la PS3 pour pas qu'il soit lagué, enfin pour pas qu'il lag à mort. Et ensuite il sera refait sur PS4 et du coup ce sera de la PS3 HD quoi, en gros ça va être ça. Et du coup j'espère que le jeu sera assez beau. Je sais pas ce que j'ai ramassé. J'espère qu'il sera beau, de ce que j'ai vu il a l'air d'être plutôt beau. Et j'espère surtout, alors ce que j'aimerais c'est que déjà on peut jouer plusieurs persos. Déjà j'espère que ça va être un Musou un peu à la One Piece Pirate Warriors 1. C'est-à-dire que c'est un Musou avec des phases différentes. Généralement, par exemple, les boss, comme on a pu voir avec Zod, qui sont très cinématiques et très bien faites, très bien rythmées, avec des cinématiques qui s'activent. Par exemple, quand on fait triangle et que là, du coup, il y a une chope et du coup, ça fait une cinématique où tu dois appuyer plusieurs fois sur carré ou des trucs comme ça. Très cool, qui donne très envie de. Enfin, qui soit très rythmé et tout. Là, vous allez voir, là, si je fais sauvegarder, tous les ennemis vont disparaître, c'est assez drôle.
Et donc j'espère que ce sera un Musou un peu à voilà, Pirate Warriors 1, parce que c'est le 1 que je préfère, Pirate Warriors 1, qui est le mieux, je trouve, des Pirate Warriors. Le mieux scénarisé et tout, enfin je trouve que c'est le mieux fait. Donc j'espère qu'il sera comme ça, et j'espère qu'on pourra jouer beaucoup de persos, par exemple on pourra jouer Casca, on pourra jouer justement le Griffith, Zod, j'espère qu'on pourra jouer plusieurs personnages, ce qui serait vraiment très cool dans un truc. Je pense pas qu'il y aurait de versus dans un jeu comme ça, je vois pas le jeu qui est un versus, je le vois pas avec un versus. Mais en tout cas je le vois bien avec qu'on puisse jouer avec plusieurs personnages comme ça serait vraiment très cool. Bon par exemple Puck ça sert à rien de le mettre en personnage jouable par exemple. Ça je me souviens plus de ça par contre. Oh, je me souviens plus de ce passage-là, moi, dans le manga. Je sais même pas s'il y a ça dans le manga, je me souviens plus, à vrai dire. Ça change en tout cas comme décor, hein, ça a beaucoup plus coloré. Donc je vais essayer de trouver un point de sauvegarde et puis on va s'arrêter là. À tous les coups, elle est en train de dire. Elle est en train de dire n'approchez pas, j'arrive pas à savoir ce qu'elle dit. Donc en gros elle dit arrêtez, je pense qu'elle dit n'approchez pas ou un truc comme ça j'imagine. C'est qui déjà bordel? Je me souviens plus putain. Ouh, ah oui c'est vrai. Alors ça je crois qu'il n'y a pas dans le manga si je... Enfin ça par contre je me souviens pas avoir vu ça dans le manga. C'est peut-être plus tard dans les tomes, peut-être que c'est mélangé. En tout cas par contre ça je crois que c'est un flashback. Enfin, en gros c'est un passage où il va revoir ces trucs. Parce que je l'ai vu dans l'opening en fait. Tiens Tony, est-ce que tu peux me dire si ça c'est dans le manga ou pas si tu l'as vu? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live. Je sais plus si c'est dans le manga ça. Voilà. Judo. Ah, j'adorais ce personnage-là. Un de mes personnages préférés. Ah,
C'est plombage d'ambiance sur moi. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'ai eu le bac. Donc ça, je suis content. Mais c'est vrai que du coup, Darkoz. Du coup, Darkoz. L'a pas eu. Mais... Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ce passage-là, il est pas dans le manga. Hein. C'est con parce que de ce que je vois, ça aurait été pas mal d'avoir mis un truc comme ça là, avec où il affronte des fantômes de ses amis. Ouais, il l'a pas eu le pauvre, hein, mais ouais, du coup, moi je suis le seul à l'avoir eu sur les deux. Ouh là, 3 sur 3 contre 1. Pouf ça, putain! Oh putain, Judo, j'ai. Oh, j'ai cru que je l'avais one shot. Ah, du coup, voilà, j'affronte les fantômes de la. Les fantômes, du coup, de. Putain, il me défonce, Judo. Ah, j'ai tué Judo. Ah, je pense qu'il faut les tuer les trois en même temps, sinon ils vont revenir. Je le vois venir ce truc là. Je vais y arriver, hein, les fantômes de. La troupe du faucon là. C'est vrai que dans plus de jeux manga, ils mettent des passages inédits, ouais. C'est vrai que par exemple, ce passage-là, il aurait été cool dans le manga. Hein. Le fait qu'il affronte les fantômes de la troupe de Faucon, comme ça. Ouais. Surtout comment ils se sont quittés, enfin c'est... Comment je fais voler Carcus. Pouf, putain! En vrai, t'as vu sa barre de vie verte là? Elle a disparu en 10 secondes. J'ai trop l'impression que tu one-shot le mec. C'est obligé qu'il y ait une deuxième phase là, c'est trop simple. Je pense qu'il y a une deuxième phase. T'as l'impression de le one shot, genre le mec qui prend putain de chair dès la première attaque. Et non, y'a pas de deuxième phase. A disparu. C'est des ruines.
Après, quand je dis que ça se passe exactement pareil que dans le manga, par exemple tout à l'heure avec le renard, ça se passe pas non plus exactement pareil, parce que c'est vrai que je crois que dans ce passage-là, il viole entre guillemets la meuf, et du coup, il me semble que, à moins que ce soit plus tard, mais il me semble qu'à un moment, en tout cas, je sais qu'il est en train plus ou moins de la violer, et du coup, je pense pas qu'il l'ait mis dans le jeu. Parce que, malgré que du coup, bah, étant donné que c'est un jeu pour les fans, enfin, le jeu Berserk, je veux dire, on sait. Si dans Berserk y a ça, c'est que, enfin, ils sont obligés de mettre ça, mais je pense qu'ils vont quand même pas mettre toutes les scènes exactement, y compris les scènes de viol de Berserk, je pense pas qu'ils vont le mettre dans le jeu. Guts, ouais, c'est vrai qu'ils disent ça en japonais. Bon, on va trouver un point de sauvegarde ou un truc comme ça pour pouvoir tourner bientôt de toute façon. Pouf! Putain, j'adore cette attaque, elle est tellement bien, les flammes sont bien faites. On va bourrer, on va bourrer. Oh, mais regardez-moi ces tonnes d'ennemis, quoi, putain. C'est assez ouf. Ah, c'est signifiant, travail, bah putain, je savais pas, merci. Du coup, ça fait sens. Étant donné qu'il est né des entrailles du coup de sa mère. Enfin, de la façon où il est né, c'est logique qu'il ait donné un nom comme ça. Par contre, du coup, ce passage-là est dans le manga, ça. Ça, je me souviens. Et je crois même que ça se... Ah, ça, donc ça, c'était justement à la fameuse tour où on est en train de parler avec Otaku. Il me semble que c'est là que l'autre mec a un flashback où il nous raconte un peu comment était sa vie depuis qu'il était tout petit avec la meuf, si je me souviens bien, un truc comme ça. Ah, ça c'était justement au passage où la tour était en train de se faire engloutir. Le passage qui est trop bien d'ailleurs, vraiment le truc de désespoir, ce passage-là il rend trop bien, c'est le passage où toute la tour se fait engloutir de ténèbres et tout, et qu'ils se défendent avec du feu. World of Belzec. Et ouais, donc ça c'est le premier truc, on va s'arrêter là. On va juste sauvegarder. Le jeu est vraiment, vraiment, vraiment très cool, hein, franchement. C'est juste dommage quand justement on participe pas vraiment depuis le tout début. Ça attend vraiment qu'on fasse trop bien depuis qu'on joue Gus, vraiment le passage de l'âge d'or en fait de Berserk jusqu'à maintenant en fait. Genre vraiment qu'on vive l'éclipse, qu'on vive la deuxième éclipse, enfin bref, les trucs comme ça. Ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment très cool. Elle se fait humilier, comment ça? Est-ce que tu parles du passage sous la tente ou... Hop, on va arrêter là du coup. Hop. Tu parles du passage dans la tente qu'il y a dans Berserk ou... Est-ce que je me souviens pas qu'elle se fait humilier. Enfin, si, je sais que pour elle, elle fait d'un moment des choses qui pour elle, enfin, elle trouve ça humiliant, mais. En tout cas, voilà. Hop, on va remettre un peu de musique.